Si us sembla, podem començar. Per tant, bon dia a tothom i benvinguts a aquesta tercera jornada de batxillerat, jornada francòfona d'impuls al batxillerat de Lleida. Veiem que hem tingut molt èxit i per tant us demanem disculpes perquè bueno, no hi ha cadires per tothom, però vaja, espero que això es podrà subsanar durant la jornada. Alors, bonjour à tous et soyez bienvenus à l'Université de Lleida. Director, professorat, degana, estudiants, amics, amigues, com a vicerectora d'estudiants de la Universitat de Lleida, és per mi un plaer acollir-vos una altra vegada en aquesta jornada que avui se celebra a la Universitat de Lleida, com dic, per tercera vegada. Tot seguit, el director dels serveis territorials d'ensenyament a Lleida, el senyor Miquel Àngel Mullerès, us adreçarà unes paraules. També m'acompanya el senyor Aleix Gavarró, subdirector general d'Ordenació Curricular del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, prenem la paraula el senyor Miquel Àngel Mullerès. Gràcies. Hola, molt bon dia a totes i a tots. Bonjour, vicerectora, subdirector general, inspecció educativa, professorat i especialment els protagonistes de la jornada. Serem molt breu, tant els de Lleida, també em sembla que els companys de la Catalunya Central, de Manresa, que també s'han afegit, hem estat capaços de treure'ls. Aquesta sala fa molt goig. Fa 3 anys, juntament amb la facultat, vam programar aquestes jornades perquè anaven en línia de l'acord que va arribar al nostre govern, el govern de Catalunya, amb el govern francès, i poder oferir aquesta doble titulació al país i als centres que així ho trobessin a bé. A Lleida tenim centres de muntanya, per raons òbvies, perquè són frontereres amb l'estat francès, a la Val d'Aran, benvinguti els de la Val, també les de la Seu d'Urgell, en tenim a la Mobla, al Riu Pirineu, en tenim a Lleida Ciutat, al Col·legi Episcopal i a l'Institut Sagrada Trinitat. Amb això no en tenim prou, esperem que altres centres s'afegeixin, la convocatòria és oberta, potser ho comentarà el subdirector, però el més rellevant és que puguem establir aquests llaços que la gent de la nostra generació doncs vam estudiar tots en francès, en tenim vincles més que obvis, els històrics, que ens entronquen amb una història comuna i doncs, la de proximitat també geogràfica. Va haver un temps que vam fer una mirada molt profunda i molt intensa en el món anglòfon, en l'anglès, que podríem dir una cosa universal, i vam potser deixar de banda els llaços, les relacions històriques, culturals, gastronòmiques, lingüístiques amb l'estat francès. Això jo crec que amb aquest programa, a mi em consta que el consolat francès fa molt bona feina a Barcelona, treballant amb el Departament d'Ensenyament, perquè evidentment vull pensar que també veuen que un país com el nostre que s'interessa per la seva història, per la seva llengua, per la seva literatura, doncs també ho troben fantàstic. Avui tenim una jornada molt intensa. Jo vull agrair especialment a tot el professorat que ha preparat aquesta jornada, el que som a la cuina, a la gent de l'ICE, la gent dels serveis territorials, però especialment al professorat que estimula els joves a que doncs apostin per aquesta doble titulació. Avui és un dia feliç pel món, diguéssim, francòfon, a Lleida, a la tarda. Avui a la tarda, a les 6 de la tarda, lliurem els diplomes del DAUF Escolar, que també, doncs, ara no recordo quants alumnats tenim, però també en tenim una bona colla. Això vol dir que, bé, doncs aquest objectiu que ens va marcar com a govern, com a departament específicament, doncs va donant els seus fruits i el fet que, com deia al començament, aquesta sala estigui tan de gom a gom, evidencia que sobretot el professorat és capaç d'estimular en la línia d'aquests objectius. Per tant, si vos sou de bons ajuts, aviantó. Moltes gràcies, senyor director. Ara el
general, director o subdirector d'ordenació curricular del Departament de l'Empaquet. Moltes gràcies. Après, Messier Pujadez, c'est moi. Bé, des del Departament d'Ensenyament, el primer que he de fer és complementar el que ha dit el director dels serveis territorials. Un agraïment molt gran per totes les persones que sou aquí, totes les que sense ser-hi han fet possible que sigueu aquí, el vostre professorat directament, professorat de les escoles d'idiomes, professorat implicat als serveis educatius del propi serveis territorials del Departament d'Ensenyament, per descomptar la universitat com a anfitriona i com a part activa i entusiasta a l'organització d'aquest tipus de jornades. Vull remarcar també un parell de coses respecte als que hi sou. En primer lloc, no, un parell no, seran tres. En primer lloc, que sou molts, i això és fantàstic. I de que entre aquests molts, més o menys la meitat, o gairebé la meitat, sou gent de quart d'ESO. I aquest és un dels objectius del batxibac. El batxibac és de batxillerat, ja ho diu, és una titulació mixta, una doble titulació de batxillerat, però l'objectiu no acaba ni comença amb el batxillerat, sinó amb aquesta extensió de la llengua francesa, en aquest cas parlem del francès, amb tot el sistema educatiu. Com deia el director, l'anglès és la llengua franca, avui en dia és la que toca, aquesta ningú ha de renunciar-hi, però hem de recuperar aquest francès, que és veritat que les últimes dècades s'havia perdut una mica. Jo mateix soc d'aquestes generacions que primer i a segon d'EGB vam començar a fer francès i quan entrava la mestra deien bonjour mademoiselle, però a tercer la mateixa mestra i tot igual els mateixos nens dèiem hello Miss Nuri, perquè vam passar a fer l'anglès. I aquesta mancança no l'he pogut començar a recuperar fins als últims anys que m'he tornat a enganxar amb el tema del francès. No soc prou agosarat com per expressar-me aquí amb el públic que tinc. I a més em pertoca parlar en català, que és el que hi ha. D'altra banda, també vull fer aquest esment a que no estem només gent de Lleida, sinó que aquí també la universitat, els propis serveis territorials, com a acolliment, doncs acullen a gent d'altres serveis territorials, i això és molt interessant. És molt interessant que anem treballant en xarxa, transversalment, que tots plegats ens obrim i que no estiguem només allà on som. Què us haig de dir vosaltres, que sou el batxibac, i precisament tot això ja ho teniu prou assumit. I també m'agradaria remarcar que, en contra del que voldrien alguns, nosaltres som un sistema educatiu obert, i això en sou vosaltres també un exemple claríssim. Som un sistema que no estem tancats, que no som provincials, que no estem només lligats amb allò que és nostre i prou, sinó que estem oberts de mires, que mirem als altres països, que mirem a l'entorn mundial, perquè amb el batxibac no només mirem a França, mirem a tot un món francòfon que és molt ampli, de molt prestigi i molt extès pels 5 continents, i amb una tradició cultural brutal, i que és un dels fonaments bàsics de la nostra cultura occidental, sobretot a partir dels segles XVII i XVIII. I per tant, doncs som una mostra claríssima, tots els aquí presents, que som un sistema educatiu obert, que va més enllà del que és Catalunya, perquè creiem que el món és un de sol, i que si bé ens estimem molt la nostra terra, que per això és la nostra terra i és el nostre deure, però no oblidem que el món és molt gran, que ens podem estimar molt als altres països, de prop i de lluny, que ens podem estimar molt a tots els sistemes culturals que hi hagi a Europa o a la resta del món. I aquest és un dels objectius principals que nosaltres pretenem. En aquests moments, jo crec que una mica complicats o molt complicats pel país, crec que és bo remarcar aquest objectiu com a objectiu molt important. No em vull allargar més perquè el protagonisme no és meu aquí. Vull que gaudiu de la jornada, estic segur que la gaudireu, i amb aquesta prolongació que hi haurà a la tarda amb el lliurament dels diplomes d'EU. No m'he recordat, i disculpeu, també vull fer esment a tot el, com ha fet el director també, el consulat francès i tot el sistema al voltant del consulat i l'ambaixada, també l'Institut Francès de Barcelona, les acadèmies, etc. Moltes gràcies i endavant. Doncs moltes gràcies també, senyor Gavarró. Jo, per començar la meva intervenció, el que faré primer és recolzar absolutament les paraules de les persones que m'han precedit en l'ús de la paraula. Estic totalment d'acord i faig extensiu també tots els meus agraïments a tots els a les entitats, les persones a les que han agraït ells la seva tasca, tant pel batxibac com per la jornada d'avui. Però també voldria afegir alguna reflexió, molt breument, sobre el motiu que ens reuneix avui aquí.
La iniciativa, com tots sabem, s'inscriu en un concepte que promou el fet de compartir. Compartir valors socials i valors cívics que promouen la comunicació i la intercomprensió entre les diferents societats pel que fa a llengües i cultures diverses. I això cal que ho mantinguem, es tinguin les ideologies que es tinguin. La idea d'Europa, d'aquesta nostra Europa, està plenament vigent, tot i que a vegades algunes veus diguin el contrari, i com no, la relació entre països veïns, com és el nostre i França, encara més. I al fil d'aquesta reflexió vull dir que crec fermament que experiències com la del Batxibac, que avui ens reuneix aquí, són les que poden aportar un granet de sorra a que aquests valors socials universals es mantinguin i promoguin l'apropament i el reconeixement mutu entre societats i comunitats diverses. I no solament d'Europa, sinó també dels altres indrets a tot el món en què es parlen les llengües que compartim, en aquest cas el francès, el català i, per què no, el castellà. Le Batxibac vise a donner force et visibilité à une action éducative qui élargit l'horizon des études secondaires dans notre pays et, par conséquent, donne plus d'opportunités à nos étudiants. En plus, cela se fait de plusieurs façons, non seulement en termes de contenu et de sujets, mais aussi parce que cela permet aux étudiants de connaître en profondeur une autre langue, une autre société, après tout, une autre forme de comprendre le monde. Et cela ne peut être fait qu'en leur donnant un large regard et un esprit de tolérance. En fait, la culture française a été toujours très très présente dans ce côté des Pyrénées. Je me souviens notamment que parmi les livres que les gens de mon âge étudiaient, il y a plusieurs années déjà, il y avait toujours ce qui était intitulé « Langue et civilisation française ». La société française a toujours eu ses conseils comme un des plus importants, la civilisation. La révolution fut un des points de repère dans la liberté de l'être humain. Et les mots « liberté », »,« égalité » et « fraternité » proviennent de ce temps-là. Et nous en serons toujours très, très reconnaissants. En plus, il est sans aucun doute ce qui a conduit vers un autre phénomène culturel et idéologique, comme il fut l'illustration auquel M. le subdirecteur faisait aussi mention. L'une des plus grandes contributions à la prise de conscience de la société européenne de la valeur de la culture et de la science comme des facteurs indispensables pour lutter contre l'ignorance, et aussi le mai 68, duquel aujourd'hui vont vous parler. C'est une autre des réalisations que la France a offert et a partagé avec le reste du monde. Et pour tout cela, et non seulement pour être voisin, à la Catalogne, aussi en Espagne, la langue et la culture française ont toujours signifié une référence très vive et très importante. Aujourd'hui, nous sommes ici pour réaffirmer une expérience avec une histoire peut-être un peu courte, le Batxibac, mais très très intéressante, et qui apporte à nos étudiants un univers linguistique et culturel auquel nous ne voulons pas renoncer. Je veux remercier au nom de l'Université de Lleida à tous ceux qui ont fait possible, comme je l'ai dit avant, cette expérience du Batxibac, une expérience qui offre la possibilité à vous, à nos élèves, de finaliser l'école, préparer avec la possibilité de poursuivre des études liées au monde francophone, soit ici ou ailleurs. L'Université de Lleida veut aussi offrir à ces sujets son plein soutien au département d'enseignement de la Generalitat de Catalunya, comme nous le faisons aussi à d'autres initiatives, soit avec les départements, soit avec les services territoriaux. Par rapport au programme d'aujourd'hui, je peux voir qu'il contient des activités très intéressantes pour moi. Ce sera une journée très riche et amusante. Merci donc à tous qui ont fait possible cette journée. Les personnes qui ont parlé avant moi ont mentionné quelqu'un de ces personnes, mais je vais aussi insister mon remerciement à la faculté des lettres, à la section de philologie française, aussi à l'Institut des langues de l'Université de Lleida. Pour finir, je vais seulement dire aux garçons et aux filles qui font partie de cette expérience que vous êtes les protagonistes et que vous devez donc tirer le meilleur parti de l'expérience. Mais surtout, vous devez l'aimer pour qu'elle devienne une vraie jouissance pour vous. Comme ça, vous vous en rappellerez toujours, je m'en doute pas. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup.
explicarà una mica com va la jornada i començaré ja el que crec que és molt més interessant. Gràcies, merci beaucoup. De préparer à la dernière minute les documents. Quand on m'a demandé de présenter la monogène, je pensais quel était le terme qui pouvait synthétiser un peu sa personnalité. Je pensais à celui d'enseignant, d'écrivain, d'homme politique, de sociologue. Et finalement, je me suis dit qu'aucun de ces termes ne pouvait pas, pour soi-même, le résumer. Donc, finalement, j'ai décidé de le présenter comme un citoyen engagé. Vous allez me dire, mais c'est normal, puisqu'il est un homme politique, ou il l'a été. Je dirais que son engagement va au-delà de ses rôles. D'abord, dans l'enseignement, il dépasse la tâche du simple professeur qui donne ses cours dans la salle, et il n'hésite pas à parfaire la formation au-delà de la salle de cours. Mais c'est surtout dans l'écriture où je sens que son engagement se porte mieux, car il se voue à part entière à l'étude des thèmes qui lui sont chers. Les foot, la politique, son célèbre, ses travaux sur les vaccins, où il réfléchit le rôle du sport dans la lutte pour la liberté. Sont aussi connus ses travaux, ses analyses sur les conflits qui hantent la Méditerranée, notamment il a travaillé sur l'Algérie et les pays de l'Est. Plusieurs prix ont reconnu ses parcours pour ses essais, mais il a aussi abordé le monde de la fiction. Il est l'auteur de romans noirs où son détective Raphaël Rovira est amené par les enquêtes à Bucarest. Et dernièrement, il a sorti le livre de 68, où Raphaël Rovira, donc ses détectives de Lleida, prend le pari de réfléchir sur cette époque bouleversante, pleine de défis, qu'a été mai 68, et dont il va vous parler aujourd'hui. Je voudrais le remercier d'avoir accepté le pari. Je sais qu'il a des petites difficultés, mais je suis sûre qu'il ne va pas nous décevoir. Et merci. S'ha fet quatre aquí, però vull que es pugui entrar. Ce que vous attendiez, parce que moi j'ai l'habitude de faire mes cours d'histoire pas dans la langue de Molière, mais en catalan. Alors, pour moi c'est pas si facile que ça de vous expliquer mai 68, même si c'est quelque chose qui a succédé à Paris, qui a succédé en France, et pourtant, où les gens parlaient en français, de vous l'expliquer dans ce langue. Mais pourtant, bon, je vais essayer, je crois qu'à la fin vous serez pourtant content d'apprendre ce que des gens comme vous ont fait il y a un demi-siècle, parce que ces événements de mai 68 ont été protagonisés par des gens lycéens comme vous, par des gens universitaires, par des gens qui, comme la conférence prétend expliquer, rêvaient d'un nouveau monde. Alors, on est en train de parler d'une époque où les étudiants ou la jeunesse rêvaient de construire un monde meilleur. Alors, on va voir à la fin s'ils ont réussi son pari ou pas. Alors, j'aimerais vous interpeller, mais il y a beaucoup de monde ici, alors on ne pourra pas faire comme dans une classe normale. Mais j'aimerais connaître, auparavant, si vous connaissez ce que a été mai 68. Alors, c'est difficile de répondre tous en même temps. Alors, c'est moi qui va répondre à la question, mais je crois que c'est une bonne question à poser, parce que pour
pour pas mal de gens, c'était une époque qui a marqué profondément les étudiants deux générations après cette époque de 68. Alors, je vais vous répondre, et mai 68 était une révolte à l'origine de la jeunesse étudiante parisienne. Alors, ce sont deux étudiants comme vous qui se sont révoltés. Mais la révolte ne s'est pas limitée aux étudiants, et mai 68 est devenu l'un des plus importants mouvements sociaux contemporains de la France du XXe siècle. Alors, on est en train de parler d'une révolte qui a dépassé les étudiants. On est en train de parler d'une révolte qui a changé la culture, la société, la politique, où les gens s'opposaient au capitalisme, à l'impérialisme et au pouvoir qui était en place dans la France de l'époque, qui était le gaullisme, un mouvement politique représenté par un personnage que c'est sûr que vous connaissez, le président Charles de Gaulle, qui était auparavant le général qui a combattu l'occupation nazie de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un peu le résultat de cette révolte des étudiants parisiens, de cette révolte de la jeunesse française, c'est la rupture avec l'ordre ancien. On va expliquer un peu le contexte où cette révolte s'est déroulée, mais surtout, mai 68 est une rupture avec l'autorité, la famille, la morale, la conception de la religion qui existait en France pendant la première décennie du XXe siècle. Alors, c'est une révolte qui avait un peu des objectifs divers. Pour une partie, changer le système économique, c'est-à-dire combattre le capitalisme et le changer pour un nouveau système. Sur ce point-là, mai 68 est une défaite, mais cette révolte avait des autres objectifs, cette rupture avec l'ordre ancien, et je crois qu'on va voir que dans ces domaines-là, c'est une révolte qui a réussi. Et quand on parle de ces contextes de mai 68, il faut parler de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la Deuxième Guerre mondiale a fini en 1945, mais pendant les années 60, ce sont les jeunes qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui arrivent à l'université. Alors, il y a une explication de mai 68 qui est associée au fait que la jeunesse qui est née après la Deuxième Guerre mondiale est en train d'arriver à l'université. Donc, il y a des gens au lycée, il y a des gens, les protagonistes de cette révolte ont plutôt de près de 20 ans, mais on va voir que c'est juste cette génération-là qui arrive à l'université, une génération qui est née après la Deuxième Guerre mondiale et qui a connu une certaine prospérité. Une certaine prospérité, mais il faut parler qu'en France, après 1945, il y a eu aussi pas seulement la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une guerre qui a été très importante pour les Français, la guerre d'Indochine, et après, il y a eu notre combat contre les indépendantistes dans les colonies françaises, qui a été la guerre d'Algérie qui a fini l'année 62. Alors, il y a une certaine prospérité dans cette France. Un moment, je vais essayer de remettre au point la présentation. Alors, on peut parler que dans cette France des années 60, le monde était un peu différent de celui qu'on connaît. Maintenant, quand on parle de l'Europe, on est en train d'affronter une population vieillissante. Alors, dans nos sociétés, la plupart du monde est âgé. À l'époque, quand on analyse la France des années 60, il y avait un tiers de la population qui était jeune. Alors, on est dans une période de croissance démographique et cette jeunesse qui est en train de devenir la majorité de la société française est en train de revendiquer des libertés. Des libertés qui vont dans un sens, surtout dans le sens sexuel. Par exemple, à l'époque, 68, il y avait presque pas de mixité dans l'école française. Aujourd'hui, ici, on voit des filles, on voit des garçons, on est en train d'étudier tous ensemble. Mais à l'époque, 68 en France, c'était l'exception, la mixité dans les écoles. Évidemment, il était interdit pour les garçons
dans les cas universitaires, d'accéder dans leur résidence des filles. Alors, ça sera aussi l'un des leitmotifs de mai 68, une certaine revendication de liberté sexuelle de mère un peu différent à celui qui ont dominé la France jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait des questions, on ne pouvait pas filmer. Bon, ça, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, mais les gens qui ont connu les années 70, les années 80, les années 90, c'est pas évident, on filmait partout, même dans les écoles, même dans les classes. Et, par exemple, dans les bâtiments scolaires, les filles n'étaient pas autorisées à porter des pantalons. Quelque chose qu'aujourd'hui, est vraiment très normal, mais à l'époque, il y avait des revendications de la jeunesse qui faisaient partie de la question culturelle. Alors, il y avait un changement. Bon, il y avait un changement qui était en train de se produire, mais l'université n'était pas encore le reflet de ce changement. Parce que les étudiants universitaires, même si la jeunesse était un tiers de la population française, les universitaires étaient issus surtout de la bourgeoisie. Alors, les données nous parlent que pendant mai 68, 92% des étudiants étaient d'origine bourgeoise. Alors, même s'ils vont être les protagonistes de cette révolte, l'origine de ces gens, de ces étudiants universitaires, pas des lycéens, les lycéens c'était... il y avait beaucoup plus de mixité sociale, mais l'origine était une origine bourgeoise. Alors, il y a aussi une chose qui est en train de succéder dans le domaine international, c'est la guerre du Vietnam. Alors, la guerre du Vietnam est en train de marquer des générations de jeunes dans le monde, surtout dans les États-Unis et dans les pays du premier monde, mais aussi en France, parce que l'Indochine était une colonie française et parce que le Vietnam s'est libéré de la France en 1954, c'est-à-dire la décennie avant la révolte de mai 68. Et alors, il faut chercher justement l'origine de mai 68 et de sa révolte dans la lutte des étudiants contre la guerre au Vietnam. Si ça marche, on va voir que pendant les premiers mois de 1968, il y a eu des manifestations partout dans le monde contre la guerre du Vietnam. Et en fait, pendant les mois de mars, il y a eu des manifestations dans toute l'Europe occidentale contre la guerre du Vietnam, où des jeunes participaient dans ces marches, et on va voir des images de ces marches à Paris, le 20 mars 1968, qui est à l'origine de la création du mouvement étudiant qui a libéré le processus de mai 68. On va voir si ça tient. Bon, alors, ce sont des images de Paris le 20 mars 1968, dont j'étais en train de parler. Alors, il y avait ce jour-là une manifestation contre la guerre du Vietnam. Au même temps, il y a eu des manifestations comme celle-là partout dans l'Europe. Il y en a eu un qui a été spécialement important à Londres, qui a fini avec des affrontements avec la police, avec 200 de blessés et d'arrêtés. Mais dans ce marché-là, qui vous pouvez voir dans les images, par exemple, le visage de Ho Chi Minh, qui était le leader du mouvement indépendantiste en Indochine, et il avait été étudiant à Paris pendant son époque de jeunesse. Et ici, il est le symbole du combat du Vietnam contre les États-Unis qui étaient en train d'aider le Vietnam du Sud dans un combat au sein de la guerre froide. Alors, cette marche du 20 mars a fini, comme vous voyez dans l'image en bas,
avec une attaque au bureau d'American Express. C'était une entreprise américaine et des étudiants, bon, et des gens qui participaient à la marche ont attaqué le bureau d'American Express. Alors, la police a arrêté 5 participants dans cette attaque et ils étaient des étudiants de l'université Paris 10 qui avaient son siège à Nanterre. Et ça, c'est très important de l'expliquer parce que je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais Nanterre est situé au nord-est de la ville et c'est un bidonville où la plupart des gens étaient pauvres et ils étaient d'origine immigrée. Alors, c'est à côté de quelques-unes de communes les plus riches de France, dont Neuilly, où Sarkozy était le mairie avant d'être ministre et après président de la République. Mais Nanterre, en concret, c'était un bidonville et on y a construit l'université de Paris 10. Et c'était une université qui groupait les études dans les domaines des humanités et dans les domaines des sciences sociales, où les étudiants avaient beaucoup d'inquiétudes sociales. Et ils voyaient chaque jour les gens qui habitaient dans des conditions de pénurie totale. Ils voyaient ça chaque jour quand ils allaient à la fac. Alors, 2 jours après cette marche du 20 mars, avec les arrestations des étudiants, le 20 mars, à Nanterre, il y a eu l'occupation de la salle du conseil de professeurs de l'université et la création du mouvement 20 mars. Alors, c'était un mouvement participé. Pas vraiment par beaucoup d'étudiants, on est en train de parler d'une centaine ou 200 d'étudiants, mais ils ont créé le mouvement 22 mars. Et si vous voyez cette image en haut, il y a un jeune qui est en train de parler, c'est Daniel Cohn-Bendit, Daniel Le Rouge. Et on va parler de lui parce qu'il va être le symbole, il va être le leader de ces mouvements qui va mener à la révolte des étudiants. Alors, après ces 22 mars, la situation devient calme, mais dans une certaine tension. Cette occupation de la salle du conseil des professeurs finit ces mêmes jours, mais il y a un mouvement un peu différent à la gauche qui existait jusqu'alors en France. C'est un mouvement qui a des notables influences anarchistes, maoïstes, une gauche qui n'est pas la gauche communiste traditionnelle. Et alors, ce mouvement est devenu un peu les commanditaires des événements qui vont marquer mai 68. Quand on parlait de Daniel Cohn-Bendit, vous le voyez ici, il était le leader du mouvement du 20 mars et de la révolte étudiante de mai 68. On peut voir une image où il est en train de sourire à un policier. Il y a eu pendant tout, on va voir, mai 68, des affrontements entre les étudiants et la police. Et après, on va voir une autre chose qui est devenue marquante pendant ces mai 68. C'est le poster de la révolte. Les étudiants de l'école des Beaux-Arts ont occupé, on va l'expliquer, l'école, et ils faisaient des posters dans un sens artistique et politique. Et ici, on voit, parce que Cohn-Bendit, il était d'origine allemande, il était d'origine juive, alors il a été persécuté, il a même été expulsé de France pendant les événements de mai 68. Et on peut voir ici qu'on ses copains, les gens qui sympathisaient avec la révolte de mai, disaient qu'ils étaient tous des juifs et des allemands. Alors, c'est un peu ce mouvement 22 mars qui a son origine au combat contre la guerre du Vietnam. Celui qui va être le protagoniste de la première phase de mai 68. Ce qu'on appelle, parce que les historiens ont convenu qu'on peut un peu diviser ces événements de mai et juin 68 en 3 phases. La première, c'est la période étudiante, là où la révolte est une révolte des étudiants, et des étudiants surtout parisiens, même si après, ça va basculer un peu partout dans la France, mais à l'origine, c'est surtout une révolte des étudiants parisiens. Et on trouve à l'origine le combat contre l'impérialisme. Alors, ça a commencé avec une journée anti-impérialiste qui a été convoquée à Nanterre par le mouvement du 22 mars. Alors, il y a eu, pendant cette journée du 2 mai, des affrontements entre les étudiants et quelques professeurs.
et le doyen a fermé la faculté. Alors, la faculté de Nanterre a été fermée le 2 mai. Et c'est un peu le début de la révolte. Pendant le mois d'avril, il y avait pas mal des actes dans le campus universitaire, mais c'est la journée du 2 mai qui a déclenché la révolte étudiante. Et les étudiants revendiquaient pas seulement le combat contre l'impérialisme, pas seulement la victoire du peuple de Vietnam dans sa guerre face aux États-Unis, mais ils revendiquaient aussi des questions qui étaient beaucoup plus proches à tous les étudiants, comme par exemple le droit des garçons d'accéder aux résidences universitaires de filles. Alors ça c'était interdit, il y avait des bâtiments pour les garçons, il y avait des bâtiments pour les filles, et les garçons ne pouvaient pas accéder à celui à ceux de filles. Et alors l'une des revendications qui est associée à la libération sexuelle du mouvement 20 mars, c'était justement celui-là. Alors après ce 2 mai, où il y a une journée anti-impérialiste en solidarité avec le peuple du Vietnam, le 3 mai, on assiste à l'occupation de la Sorbonne. Alors, si vous connaissez Paris, Nanterre, c'est en dehors de la ville de Paris, et la Sorbonne, c'est justement au centre-ville. C'est très près de Notre-Dame, dans la rive gauche de la Seine, dans un quartier qui est appelé quartier latin. Et alors, c'est là où il y a la Sorbonne, et le 3 mai, les étudiants occupent la Sorbonne en solidarité avec ses copains de Nanterre qui avaient été réprimés pendant la journée anti-impérialiste du 2 mai. Alors, on peut voir, c'est curieux, ça c'est l'entrée à la Sorbonne, c'est un bâtiment classique, et on peut voir ici l'image de Lénine et Mao. Dans l'autre côté, il y avait Marx en train de présider l'université. Alors, cette occupation de la Sorbonne le 3 mai finit par des graves affrontements entre les étudiants et la police dans tout le quartier latin. Et après, on va voir comment, pendant les journées du 10 et 11 mai, tous les étudiants sont en train de barricader le quartier latin et de se soulever contre la police avec l'appui de beaucoup de voisins de rue colindantes. Ça, c'est le centre-ville de Paris, bon, c'est le quartier latin, mais c'est l'un des centres-villes de Paris. Et à cette époque-là, les voisins sont en train de sympathiser avec la révolte des étudiants. Et ça déclenche la répression et une vraie crise politique. On voit, par exemple, ces images sont vraiment marquantes parce que ça, je crois que c'est la rue Gay-Lussac, dans le centre de Paris, ça conduit au jardin du Luxembourg. Et c'est complètement barricadé par deux voitures que les étudiants ont croisées au centre de la circulation. On voit, ça c'est la journée du 10 mai. Et après on voit l'un des symboles, on va en parler, de la révolte, c'est les pavés. Quand on parle d'un pavé, je ne sais pas si vous connaissez exactement le mot, je vais vous l'expliquer aussi en catalan. En catalan on dit una llamborda, ou en espagnol un adoquín. Alors le rue de Paris, dans le centre-ville, sont la plupart des rues pavées. Si vous aimez le cyclisme, les pavés dans la Paris-Roubaix, c'est un élément très important, même parfois dans le Tour de France. Mais les pavés, c'est un peu un symbole de l'organisation de rue de Paris. Et les pavés est devenu un symbole de la révolte de mai 68. Parce que, vous voyez, il y a des barricades qui sont en train de se faire avec deux voitures, mais la plupart des barricades dans les quartiers latins sont faites avec des pavés. Vous voyez, une barricade avec deux pavés, et après, l'un des slogans, parce que justement, c'est l'imagination qui prend le pouvoir pendant mai 68, et les slogans des étudiants sont vraiment originels, qui dit « Sous les pavés, il y a la plage ». Alors, il faut aller chercher la plage, c'est tout le monde qui veut aller à la plage, alors on va prendre les pavés, et on va trouver dans le rue de Paris la plage. Et, justement, on voit ici une barricade pendant ces jours de 10 et 11 mai avec la police d'un côté et une barricade pavée de l'autre côté. Et surtout, j'aimerais bien vous montrer ces posters qui est en train de montrer un pavé et de dire aux gens, moins de 21 ans, voici votre bulletin de vote.
Si vous comprenez ça, à l'époque, le droit de vote était limité aux gens âgés de plus de 21 ans. Alors, la plupart des étudiants qui participaient à la révolte n'avaient pas le droit à voter. Alors, ces gens de l'atelier des Beaux-Arts disaient aux jeunes, votre bulletin de vote, votre mécanisme de participation politique est prendre un pavé et faire comme ces jeunes filles, le jeter à la police pendant les affrontements qui se sont déroulés au centre de Paris pendant ces 10 et 11 mai. Alors, on voit ici un autre symbole de la révolte parisienne, c'est la participation des filles dans cette révolution. On voit des images de jeunes filles qui sont en train de se manifester, mais on voit aussi une image, un autre poster de l'atelier de Beaux-Arts qui est en train de dire « la beauté est dans la rue ». Et alors, la beauté nous montre une jeune fille qui est en train de jeter un pavé. Et après, une image que je crois qu'elle symbolise un peu cette lutte contre l'interdiction. Et vous voyez, une jeune fille qui est en train de montrer sa langue à la police. Elle est habillée avec un pantalon et elle a dans sa main un pavé. Alors, c'est un peu le symbole de cette première phase étudiante de mai 68. C'est une révolte des étudiants, c'est une révolte qui commence en interne et qui va continuer dans le quartier latin. C'est une révolte qui lutte contre l'autoritarisme, contre la société de consommation, contre le capitalisme, contre l'impérialisme américain au Vietnam, mais qui lutte aussi pour deux questions si banales que l'accès de garçons au bâtiment universitaire de filles, et surtout pour en finir avec les interdictions. Alors, l'un des slogans les plus populaires de mai 68, c'est justement, on va les voir à la fin de mon exposition, c'est justement interdire. Donc il faut réfléchir, l'interdiction d'interdire inclut aussi l'interdiction d'interdire. Mais bon, ça c'est un peu de philosophie et on va laisser cette réflexion pour après. Alors, ces images sont en train de frapper la France entière. Le premier ministre qui était Georges Pompidou, il deviendra plus tard président de la République, peut-être vous connaissez Beaubourg, le centre Pompidou, qui est un musée d'art contemporain au centre de Paris. Mais à l'époque, il était le premier ministre et la crise politique est en train d'arriver au plus haut niveau politique de la France, au premier ministre Pompidou, au président de la République de Gaulle. Et alors, Pompidou va choisir le chemin de la répression. Mais ça va se montrer à ce moment-là, par la fin, il faut discuter sur ça, mais ça va se montrer comme une erreur. Parce que ce qui était à l'origine une révolte des étudiants, et on disait que les étudiants universitaires étaient, dans la plupart des cas, d'origine bourgeoise, va devenir, à partir du 13 mai, une véritable révolte sociale. On est en train de parler du plus grand mouvement social de la France du XXe siècle, même plus grand que le Front populaire de 1936, quand les Français ont gagné les droits pour congés payés. Mais mai 68 est sûrement le mouvement social le plus important de la France du XXe siècle. Que va s'arriver? Le 13 mai, il y a une grève générale où les ouvriers vont soutenir les étudiants dans son combat. Et dans cette grève générale, il y a 1 million de manifestants à Paris. Maintenant, on voit que c'est facile d'avoir 1 million de personnes en train de manifester, mais à l'époque, c'était l'une des plus grandes manifestations de l'Europe d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, cette grève générale qui a commencé le 13 mai, vous voyez ici, c'est une foule qui est en train de marcher sur Paris le 13 mai. Cette grève générale, qui est un véritable succès, ne va pas s'arrêter le 13 mai. Alors, il y aura une grève générale illimitée et le travailleur, surtout le travailleur jeune, vont faire
ce que les étudiants ont fait dans les facultés. Les étudiants occupaient les facultés, les gens travailleurs ont occupé les usines. Alors, on assiste jusqu'au 22 mai, entre le 13 mai et le 22 mai, à une grève générale qui est en train de paralyser le pays, où les gens sont en train de croire que le rêve de la révolution sera possible. Alors, pendant ces jours, il y a des occupations partout. Il y a une occupation qui est très symbolique, celle du théâtre de l'Odéon. L'Odéon, c'est un théâtre. Alors, on peut y discuter pendant tout le temps sur la situation politique, sur la situation sociale, sur la situation économique. Et les révoltés disaient que si l'Assemblée nationale, le Parlement français, était un théâtre bourgeois, ils allaient convertir tous les théâtres bourgeois en des assemblées nationales. Alors, après l'occupation de facultés, après l'occupation des usines, il y a un débat public qui est en train de faire rêver aux gens que la révolution est possible, qu'il est possible d'en finir avec l'égoïsme, mais pas seulement avec l'égoïsme, mais aussi avec la société capitaliste de consommation. Mais que va se succéder? Il y a le 30 mai 1968, c'est un peu la fin de la phase sociale de cette révolte. Charles de Gaulle, qui était président de la République, il avait accédé à la présidence après un coup d'État en 1958, après le putsch d'Alger, pendant la guerre d'Algérie. Il était soutenu par le militaire et si on tourne par le secteur le plus conservateur de la France. Alors, de Gaulle, en voyant que le changement politique et social était possible, il va prendre une décision qui va marquer l'évolution de ces événements. Le 30 mai, le président de la République, Charles de Gaulle, va annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif, et de nouvelles élections qui vont se tenir pendant le mois de mai. Et alors, en même temps qu'il a pris cette décision, il y a des gens qui sont en train de manifester à Paris pour soutenir le général de Gaulle. Vous voyez, ce sont des images qui ont marqué le 30 mai 68 et qui ont montré une société divisée. On a vu le 13 mai, c'était la foule gauchiste qui marchait à Paris. Le 30 mai, c'est une foule partenaire du général de Gaulle, du président de Gaulle. C'est une foule conservatrice qui marche dans la capitale française. Alors, dans cette image, on y voit le 30 mai, comment le général de Gaulle est en train de parler aux Français à la radio, pour la plupart des gens, ou à la télévision, pour quelques privilégiés, parce que ce n'était pas si normal que ça d'avoir un appareil de télévision à la maison l'année 68. Et après, on voit qu'en même temps que de Gaulle est en train de dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer des élections législatives, la foule gaulliste marche sur Paris. Et ça va nous mener dans la troisième phase de mai 68, qui est sa phase politique. Alors, ça va fracturer le mouvement étudiant, ça va fracturer la gauche, parce que depuis juin, les cours sont repris dans les lycées, dans les universités, les usines reprennent son travail, alors il y a une certaine retour à la normalité dans le pays, mais surtout il y a une certaine fracture dans le mouvement étudiant. Il y a des étudiants qui sont en train de résister et on peut voir à nouveau des images comme celle du 10 ou 11 mai avec des barricades dans le centre-ville de Paris, dans le quartier latin de Paris. Mais où est le problème? Pendant la phase étudiante des événements de mai 68, le voisin était en train de sympathiser avec les étudiants révoltés. Et à ce moment-là, début juin, c'est un peu le contraire. C'est les voisins qui vont dénoncer ces étudiants gauchistes qui sont en train de barricader le quartier latin, même si la plupart de ses copains
on retournait au cours pour faire les examens de juin parce que c'était proche à la fin de cours. Alors, le 23 et le 30 juin, vous savez, il y a un système électoral en France qui est un peu différent du nôtre. Il y a deux tours, ils vont voter dimanche 23 et dimanche 30 juin. Alors, dimanche 23, on va choisir les partis, bon, ou les représentants des partis qui sont les plus votés, et ils vont passer au deuxième tour. Alors, c'est vrai que c'est plus facile d'obtenir une majorité absolue pour les grands partis du système politique français. Et ce qui se passe le 23 et le 30 juin, c'est une grosse frustration pour les étudiants révoltés, parce que les élections législatives, là où seulement les jeunes qui ont plus de 21 ans peuvent voter, on va voir une victoire écrasante de la majorité gaulliste. Alors, l'affrontement dans la rue, où on avait la gauche qui marchait pour soutenir les étudiants, pour soutenir les ouvriers, pour en finir avec le système capitaliste, subira une grosse défaite dans les urnes, et ça va marquer la fin de la révolte et un certain retour à la normale. Ici, on voit le président de Gaulle, même s'il n'était pas directement concerné, parce que ce n'était pas des élections à la présidence de la République, mais c'était très important pour lui d'obtenir une majorité. Et alors, il est en train de célébrer le résultat des élections du 30 juin 1968. Et ici, on voit l'écrasante victoire de la droite gaulliste. Ça, c'est justement l'Assemblée nationale. Quand on parle de droite et de gauche, c'est justement à propos de la situation de députés dans l'Assemblée nationale originelle. C'est un mot politique qu'on voit aux Français, parce que dans la première Assemblée nationale, je suppose que vous connaissez ça à propos de l'étude de la Révolution française, mais les sièges dans l'Assemblée nationale, il a été constitué au moment de la Révolution, c'était la droite et la gauche. Alors ici vous voyez comme une écrasante majorité absolue de la droite gaulliste a perdu dans les élections de juin 68, et ça a fini un peu avec les rêves de révolution des étudiants, avec le rêve de révolution de certains partis politiques de gauche, parce que vous voyez, on peut voir en bleu le résultat de l'Union des démocrates pour la République, c'est le parti politique qui soutenait le président de Gaulle, et la majorité de ce parti est écrasante, mais on peut voir le couleur bleue dans ces différentes tonalités, c'est la droite. Le couleur rouge dans ces différentes tonalités, c'est la gauche. Alors, on a, après juin 68, une Assemblée nationale qui est aux côtés de Gaulle et une Assemblée nationale qui est écrasante dans sa majorité absolue de la droite gaulliste. Et ça va provoquer la fin du rêve révolutionnaire, la fin du rêve de changer le monde des étudiants, la fin du rêve d'en finir avec le capitalisme et avec la société de consommation. Et il y a quelques étudiants qui ont montré avec ces posters, qui sont célèbres à propos de mai 68, ce qui s'est passé entre juin et l'été 68. On est en train de voir ici, vous voyez, élection piège à con. Ils sont en train de dire, et il y a eu quelques étudiants, celui qui ont soutenu la continuité de la révolution, que les élections étaient un piège. Vous connaissez piège? Bon, on attrape. Ils sont en train de dire que les élections vont finir avec la révolution. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, on dit con, vous connaissez la parole con, bon, pas besoin de... De la traduire, mais si, c'est Jonathan Pepperidiotes, mais bueno, no cal. Non, on voit, il y a certains étudiants qui étaient en train de dire les élections sont des pièges à con, il ne faut pas y participer, parce que le résultat sera consolider le pouvoir de De Gaulle. Et après, il y a
un autre poster de l'école des Beaux-Arts, même si l'atelier est en train de se dissoudre à la fin juin, parce que le mouvement étudiant est en train de perdre sa force. Et on voit deux moutons, ils sont en train de retourner à l'école, au lycée, à l'université, au travail, et on dit retour à la normale. Alors un peu, la fin de mai 68, c'est des élections où la droite gaulliste a écrasé la gauche et a constitué une majorité qui est en train de soutenir le président de Gaulle, et on va trouver, après cette défaite des étudiants dans le camp des élections, un retour à la normale. Alors, on pourrait penser que mai 68 est en fait une défaite du mouvement étudiant révolutionnaire. Et certainement, ce mouvement n'a pas atteint ses objectifs dans le sens de briser le système économique, social et politique, mais il a atteint des objectifs au long terme que je crois qu'ils font qu'on puisse parler d'une certaine victoire des étudiants de mai. Alors, demi-siècle après mai 68, ça va se passer dans quelques mois, quand on tourne et on analyse un peu ce qui a changé dans le monde, dans la France ou dans l'Europe, dans ces demi-siècles, je crois qu'il faut reconnaître l'héritage de mai 68. Alors, l'héritage de mai 68 a beaucoup de choses qu'il faut remarquer. Premièrement, il y a eu un changement de maire, un changement qui a propicié une certaine libération sexuelle. Par exemple, avant la révolte, c'était interdit d'accéder dans les bâtiments pour les garçons, d'accéder dans les bâtiments des filles. Ça a changé. C'était interdit de porter de pantalon dans l'école ou dans l'université. Ça a changé. Et on voit donc la naissance d'un certain changement du point de vue sexuel. Ici, on voit quelques images. Mai 68 est en quelque sorte la naissance d'un féminisme contemporain. On voit une femme qui est en train de manifester en disant « mon corps est à moi ». Il y a une idée de libération de la femme, une idée de féminisme, une idée d'égalité entre hommes et femmes qui est dérivée de ce que les étudiants de mai 68 étaient en train de proposer. Mais il y a aussi des idées, l'apparition de nouvelles formes de relations sexuelles. Ici, on peut voir le Front homosexuel d'action révolutionnaire, c'est-à-dire il y a de groupes qui commencent publiquement à parler de l'homosexualité, de la libération des homosexuels, et il y a une conception du monde et de la vie qui est en train de nous parler de vivre sans temps, de jouir sans entrave. Jouir, ça devient un peu l'objectif de vivre d'après cette révolte de mai 68. Et il y a aussi un changement culturel. L'ordre ancien est en train de changer, l'autorité est questionnée, vous voyez, il est interdit d'interdire, on revient au sens, les interdictions vont finir dans la plupart des écoles, des lycées, des universités françaises. Et il y a aussi un changement par rapport à la famille, par rapport à la morale, par rapport à la religion, qui va arriver beaucoup plus tard dans des sociétés comme la catalane ou l'espagnole. Mais en tout cas, je crois qu'il faut être juste, et même si ces étudiants qui se sont révoltés dans ce lointain mai 68 n'ont pas atteint son but d'en finir avec le capitalisme, il faut les remercier, parce qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes, mais qu'on doit à ces gens qu'un jour ils ont cherché la plage sous les pavés de Paris. Merci.
aujourd'hui, presque nous toutes, nous sommes en pantalon, sont dues à la lutte de ces jeunes gens qui nous ont laissé leur sang, leur souffrance et leur jouissance. Je crois que maintenant, il y a un petit quiz à propos de cela. C'est ma collègue Christine qui va s'en occuper. Merci, professeur. Alors, vous êtes prêts vous avez été attentifs à la leçon d'histoire du professeur Zal. Vous avez bien compris tout ce qu'il a expliqué sur le mai 68. Ça va, tout le monde là? Ouais. En fait, ce que je vous demande maintenant, pour réaliser un peu le jeu, c'est de faire des équipes, pas très nombreuses, de 4 personnes, 5 personnes plutôt. Vous imaginez un nombre comme ça. Et puis voilà, je lance le jeu. Des questions sur mai 68, des questions sur des histoires que le professeur Zal nous a racontées, donc de cette façon, avec cet enthousiasme. Et je crois que vous avez bien aimé aussi, de pas pour moi. Alors, allez former les équipes, je prépare le garrot pour lancer le jeu et prêt à voir qui est le plus performant à l'histoire de mai 68. Thank you.
hein, on l'entend maintenant. Quelle école et c'est quoi? Vous venez d'où? Bon, voilà, très bien, bravo. Allez, on continue. Il reste encore une question. C'est la question. Numéro 8. La grève générale initiée par les ouvriers et les étudiants le 13 mai 1968 a été. La grande majorité, en effet.
Ils ont tous déjà un bon niveau d'anglais, mais en effet, c'est plus pour des raisons culturelles, le français. Oui, oui. Le fait que le français est une langue latine aussi, qui ressemble au niveau de structure énormément au catalan, donc les incite plus, ont perdu un peu cette peur du français. On disait, on a peur du français, l'anglais, c'est plus simple, tout le monde parle anglais, mais ils se rendent compte que quand ils vont en France, très peu de français parlent anglais, très peu. Donc ils ont besoin du français. Et pour les autres, pourquoi, à un certain moment, vous avez décidé français, pas allemand ou italien? Parce qu'il y avait d'autres possibilités où vous étiez, ou parce que... Pourquoi? Dans mon cas, j'ai choisi le français parce que mon école, on a donné l'opportunité déjà, et je suis très petite quand j'ai commencé à parler le français, et aussi parce que mes parents le parlent un peu, et c'est une bonne idée pour voyager, pour l'été ensemble. Et quand je suis un peu plus grande, j'ai repris mes études par mon étude universitaire, parce que c'est très intéressant pour moi de parler de manière normale. Et aussi, bon, là, au niveau culturel, c'est vrai que la France est un pays de très grand en ce qui concerne l'art, la culture, et quand j'aime bien l'art et la culture, c'est très facile pour moi d'apprendre le français. Et aussi, c'est une aide pour découvrir beaucoup de choses. Comme je dis, à mon avis, le français c'est une langue très jolie, et quand j'ai eu l'opportunité de l'étudier, je l'ai profité. Parce que, aussi comme je dis, c'est une langue romane et avec une langue romane, on peut connaître mieux mon propre langue. Et je vais étudier peut-être la philologie catalane et ça, le français, me peut aider. Et je l'ai choisi pour ça. Et aussi parce que c'est une langue différente à l'anglais et c'est très habituel. Et bon, moi j'avais déjà commencé au lycée, mais après j'étais très intéressée. J'ai déjà dit que pour moi en général, toutes les langues sont intéressantes. J'aime beaucoup apprendre des langues. Et bon, il y avait l'anglais, non, de toute la vie. Et après j'ai choisi le français, mais ce n'est pas la seule langue que je veux apprendre. Je veux apprendre plusieurs des langues. Et bon, le français, je crois que c'est une bonne. Comme une semaine. Dites-vous, oui. Et puis j'avais une autre question qui m'intéresse aussi personnellement, parce que moi je continue aussi à apprendre la langue, c'est en dehors des cours, en dehors de l'obligation d'apprendre, quels moyens utilisez-vous pour pratiquer, maintenir, écouter, c'est-à-dire vous utilisez les nouvelles technologies, les podcasts, vous lisez, vous avez des amis avec qui vous parlez par Skype. Est-ce que vous faites quelque chose pour continuer à travailler avec le français en dehors de cours? Bon, quand je suis plus jeune et j'ai plus de temps, j'ai fait des échanges avec la France, mais aujourd'hui j'aime bien mettre le français dans mon jour. Par exemple, j'aime bien lire les nouvelles, mais en français, parce que c'est un peu le même et il te permet aussi de connaître ce qui passe dehors de ton ville, ce qui se passe dans le monde, et je crois que c'est une manière d'être proche à la langue tous les jours. Donc, les nouvelles à travers des journaux sur Internet, oui. ou la radio? Oui, ou... les journaux, surtout les journaux sur Internet, et j'aime bien la radio parce que c'est pas des chansons, que c'est plus facile, mais par exemple, si je me monte dans les bouts, je regarde Twitter et j'avais beaucoup de journaux qui donnent des informations. C'est une manière pour moi de connaître, de être informé et aussi de souvenir que je suis étudiante en français et que je dois lire un peu en français. Je crois que c'est plus facile d'aller à la bibliothèque, que la bibliothèque de l'ODL, il y a beaucoup de livres en français, que c'est très bon. Et c'est important parce que si tu veux acheter un livre en français ici à Lleida, ou ils sont très chers, ou c'est difficile de les trouver. Et c'est bien que, par exemple, l'UDL, on donne l'opportunité de beaucoup de livres que tu peux prendre à ta maison. Et c'est bon. Mais lire un livre, quelquefois, c'est difficile, c'est un peu long si tu as d'autres choses, tu dois étudier. Mais je crois que
les nouvelles technologies, on aide beaucoup, et surtout les nouvelles, c'est très facile parce que c'est un message très court, et pour moi c'est facile. Moi, j'écoute de la musique en français, et aussi, comme Maria, j'ai regardé sur Internet quelques nouvelles, quelques journaux. Et aussi, j'ai lu quelques livres en français et j'ai fait quelques voyages en France. C'est bien pour pratiquer la langue. Je crois qu'il y a deux genres de personnes qui pensent que c'est très dur, il faut mettre beaucoup de temps pour apprendre le français, mais non, c'est le contraire. En fait, c'est assez facile parce que tu peux écouter de la musique, tu peux lire des livres si c'est ça que, ce que tu aimes. Dans mon cas, j'ai famille en France et j'ai famille au Maroc aussi qui parle en français. Alors je pratique l'oral avec ma famille et pour la prononciation, c'est écouter de la musique, c'est une bonne idée. Et regarder des films aussi, oui, c'est tout en général. Et du point de vue de la prof, est-ce qu'il y aurait quelques recommandations? Parce que par exemple, maintenant, il y a, je sais pas, il y a les podcasts, on peut écouter la radio de la France, du Québec, de n'importe où. Il y a le Skype pour se communiquer, il y a Spotify pour la musique, il y a beaucoup de ressources. Parfois, il est difficile de choisir parce qu'il y en a beaucoup. Oui, en effet. Moi, ce que je recommanderais, c'est plutôt Internet. Si vous êtes fan des YouTubeurs, vous allez sur Internet, sur YouTube, vous tapez quelques mots en français que vous connaissez, et puis vous choisissez si vous aimez les vêtements, les achats, si vous aimez la musique. Ce qui est bien, c'est que ce sont des personnes qui parlent le français couramment. Donc on voit la différence surtout entre le français grammatical qu'on apprend dans les livres, qui est plus standard, et le français qu'on parle tous les jours, qui a une certaine différence. Et comme ça, vous vous habituez aussi à la prononciation, aux différents accents, aux mots nouveaux. Parce que moi, ça fait environ 8-9 ans que j'habite ici. Et c'est vrai que je suis obligée, je regarde tous les jours YouTube et Internet, les journaux, parce que la langue bouge, change constamment. Et il y a des expressions que je connaissais quand j'habitais en France, mais maintenant, il y a de nouvelles expressions. Et des fois, la première année, quand je suis retournée en France, on m'avait dit une expression que je ne connaissais pas du tout parce que les jeunes l'utilisaient énormément. Donc j'ai dû l'apprendre. J'apprends tous les jours, hein, même à mon âge. Et donc Internet est une bonne source, hein, en plus des journaux, évidemment. La télé, si vous pouvez, il y a surtout la Dose de TV qui met beaucoup de films français. Donc vous pouvez, surtout le samedi soir, je crois. Oui, j'essaye de regarder le plus possible les films en version française pour ne pas oublier, hein, pour ne pas oublier. Puis ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de possibilités. Il y a même la télévision à la carte, on peut choisir. C'est vrai qu'on peut aller ici à la bibliothèque pour des livres, mais maintenant avec Amazon et tout ça, on a aussi la possibilité de télécharger de livres presque en toutes les langues, donc il y a beaucoup d'opportunités. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose en plus. Et j'aimerais aussi que si quelqu'un d'entre vous a des questions ou veut poser des questions, on est ici, on a quelques 5-10 minutes pour si vous avez quelques questions que vous voulez ajouter ou demander sur l'école des langues, sur les possibilités. Moi, je peux vous parler surtout de la possibilité des programmes Erasmus et des échanges, mais si vous avez des questions, on est ici pour répondre aussi. Hein. Non, quelqu'un veut ajouter quelque autre chose? Oui, bien sûr. Moi, avec une copine de Léoï, et parfois, on regarde une série de Disney Channel. Je sais que le dessin animé, c'est pour les enfants, mais c'est pour pratiquer le français, c'est très bon. C'est Ladybug, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une série française, c'est très bon pour pratiquer et la compréhension orale aussi. Je crois que... Pardon ? Quelle série vous
Il y a aussi le dessin animé français qui s'appelle Titeuf. Je connais pas. Non, je ne connais pas, désolé. Bon, mais il dit qu'il y a des autres séries aussi, sur Clan ou Point. Vous pouvez mettre la version originale pour écouter la langue originale et en entre vous avez les sous-titres aussi. Bon, c'est ça. C'est tout.